Bienvenue dans votre chaîne éducative TopMathWeb. La première leçon, calcul intégral. Donc, un petit rappel pour calculer, bien sûr, l'intégrale d'une fonction numérique donnée. Donc, on a, bien sûr, trois méthodes. La méthode d'utilisation directe des fonctions primitives. Certaines intégrales se calculent en utilisant la deuxième technique qu'on appelle la technique de changement de variable. Et la troisième technique, bien sûr, certaines intégrales se calculent en utilisant la technique d'intégration par partie. Donc, l'objectif de l'exercice 1, c'est bien sûr comment adopter la première, c'est-à-dire l'utilisation directe des fonctions primitives. Donc, on va commencer par le calcul de l'intégrale U1 de la fonction polynôme 2x au cube moins 3x carré plus 2x moins 1. Bien sûr, le long de cet exercice, je vais rappeler, bien sûr, les techniques de détermination d'une fonction primitive. Donc, pour les fonctions polynômes, donc, on utilise souvent, bien sûr, la technique suivante. Donc, si fx est égal à x à la puissance r, avec r bien sûr dans q, moins le k en moins 1. Alors dans ce cas, toutes les primitives donc s'écrivent a sur r plus 1, x à la puissance r plus 1, bien sûr plus une constante c qui varie dans r. Donc on utilise souvent cette règle. Et bien sûr, on utilise aussi les opérations sur les fonctions primitives. Donc, I1 à quoi est égal? Donc, en adoptant cette règle, bien sûr, la primitive de 2x au cube, c'est 2 sur 3 plus 1, x à la puissance 3 plus 1, moins 3 sur 2 plus 1, x à la puissance 2 plus 1, plus 2 sur 1 plus 1, x à la puissance 1 plus 1. Et la primitive, bien sûr, d'une constante, il suffit de la multiplier par la variable x. Donc, moins 1 multiplié par x sera moins x. Entre les bornes, bien sûr, 0 et 1. Donc, est égal 2 quarts en simplifiant par 2. Donc, c'est 1 demi x à la puissance 4, moins 1, puisque 3 sur 3. Donc, pas la peine de l'écrire. Donc, moins x au cube. Donc, plus 2 sur 2. Donc, plus x au carré moins x entre les bornes 0, 1. Donc, c'est l'image de 1 par la fonction primitive. Donc, si je nomme, bien sûr, cette primitive grand F. Donc, d'après la définition de l'intégrale, c'est égal F1 moins F0. F1 à quoi est égal? C'est égal 1 demi, bien sûr, moins 1 plus 1 moins 1. Et l'image de 0, c'est 0. Donc, nous trouvons finalement 1 demi moins 1. Donc, c'est moins 1 demi. Passons maintenant à l'intégrale U2. Donc, à l'intérieur de l'intégrale 0, 1, on a aussi une fonction polynôme. Donc, on a deux méthodes. Une qui est plus longue, c'est-à-dire il suffit de développer en utilisant, bien sûr, l'identité remarquable. C'est trop long, il y a trop de calculs. Mais il y a une méthode intelligente, bien sûr, et très courte. Bien sûr, elle se base sur l'observation. On observe que la dérivée de la fonction x carré plus 1, c'est 2x. Or, on a x, donc il suffit de multiplier et diviser par 2 pour obtenir 2x, bien sûr, et à appliquer une règle qui est connue dans les fonctions primitives que je vais rappeler. Donc, on va adopter cette deuxième qui est plus courte et plus facile, donc de 0, 1. Donc, on va à la fois multiplier et diviser par 2, donc multiplier par 2x fois x carré plus 1 au cube dx. Grâce à la linéarité de l'intégrale, donc on fait sortir le 1 demi, donc il nous reste 0, 1. Et on remplace 2x, bien sûr, par la dérivée de x carré plus 1. Et là, on va appliquer une règle qui est très importante, vu
dans les fonctions primitives, bien sûr, que je vais rappeler. Donc, si fx s'écrit sous la forme g'x fois gx à la puissance r, bien sûr, avec r aussi dans q moins moins 1, alors dans ce cas, toutes les fonctions primitives grand f de x seront 1 sur r plus 1, gx à la puissance r plus 1, plus c avec c, bien sûr, varie dans r. Donc, il faut apprendre par cœur ces règles. C'est grâce à ces règles qu'on détermine facilement les primitives et par conséquent, on calcule facilement les intégrales. Donc, en appliquant bien sûr cette règle, donc nous aurons, donc on a de la forme g' fois g à la puissance r, donc la primitive c'est 1 sur 3 plus 1, x au carré plus 1 à la puissance 3 plus 1 entre les bornes 0, 1. Bien sûr, vous constatez qu'on a exprès choisi les bornes 0, 1 pour faciliter les calculs, car notre objectif principal, c'est de maîtriser les techniques, bien sûr, de calcul d'une intégrale et non pas le calcul, bien sûr. Donc, on fait sortir la constante pour alléger le calcul, bien sûr. Donc, un quart multiplié par un demi, ça fait un huitième. Donc, il nous reste à l'intérieur des crochets x carré plus 1 à la puissance 4 entre 0 et 1, qui est égal, donc, un huitième. Donc, et je calcule, comme d'habitude, f1 moins f0, si je nomme. Donc, l'image de 1, bien sûr, c'est 2 à la puissance 4 moins 1. Donc, 16 moins 1, c'est 15 huitièmes. Maintenant, on va passer à la troisième intégrale. Aussi, bien sûr, on constate à l'intérieur de cette intégrale, on a le produit de deux fonctions polynômes. Donc, bien sûr, on n'a pas d'autre solution que de développer, parce qu'il n'y a aucune relation entre la dérivée de l'une et l'autre. Donc, on est obligé de développer, bien sûr. Donc, y3 est égal l'intégrale de 0, 1, donc 2x à la puissance 5 plus 2x au cube plus 2x au carré plus 2. Donc on a développé, on a effectué le produit bien sûr. Donc on retrouve une fonction polynôme et grâce aux règles précédentes et surtout la première règle, et les opérations sur les fonctions primitives, c'est-à-dire la primitive de l'ensemble des fonctions intégrales, l'ensemble des primitives, bien sûr. Donc, nous aurons 2 sur 5 plus 1, x à la puissance 5 plus 1, plus 2 sur 3 plus 1, x à la puissance 3 plus 1, plus 2 sur 2 plus 1, x à la puissance 2 plus 1, et la constante, il suffit de la multiplier par x, entre les bornes, toujours 0, 1. Donc, 2 sixièmes, on simplifie, donc c'est 1 tiers x à la puissance 6. Là, 2 quarts, on simplifie par 2, c'est 1 demi, donc x à la puissance 4, plus 2 tiers x au cube, plus 2x. Plus 2x entre 0 et 1. Est égal. Donc, on effectue le calcul. L'image de 1 par cette fonction primitive, donc c'est 1 tiers, plus 1 demi, plus 2 tiers, plus 2, et l'image de 0 est égal à 0. Donc, nous aurons 5 sixièmes, bien sûr, plus 6, plus 8 tiers. Donc, finalement, donc, nous aurons 16. En rondant au même dénominateur, donc 16 plus 5, ça fait 21, 21 sur 18. Donc on peut simplifier par 3, donc 7 sixième. Maintenant on va passer à l'intégrale, bien sûr, 4, donc à l'intérieur on a la racine cubique. Et on a vu dans, bien sûr, le chapitre des fonctions primitives, il faut, bien sûr, exprimer les racines énièmes, bien sûr, sans l'utilisation de la notation racine énième.
Donc, ce qu'on va faire dans la première étape, donc on va écrire la racine cubique sous la forme x plus 1 à la puissance 1 tiers dx. Donc, comme rappelle la racine de a à la puissance, la racine énième de a à la puissance b est égale à la puissance p sur n. C'est l'écriture de la puissance rationnelle d'un nombre strictement positif. La deuxième étape, on se base sur l'observation. On constate que la dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc, on peut écrire, bien sûr, cette fonction comme x plus 1 prime, puisque c'est 1, multiplié par x plus 1 à la puissance 1 tiers dx. Et dans la troisième étape, on applique bien sûr cette règle, puisqu'il s'écrit sous la forme g prime g à la puissance r. Donc, d'après cette règle, les primitives, c'est 1 sur 1 tiers plus 1, fois x plus 1 à la puissance 1 tiers plus 1, entre 0 et 1. Or, donc 1 sur 1 tiers plus 1 est égal, bien sûr, 4 tiers, donc c'est 3 quarts. On fait sortir cette constante pour, bien sûr, alléger le calcul, comme on a dit précédemment. Donc, x plus 1 à la puissance 4 tiers, entre les bornes 0 et 1. Et nous aurons finalement, bien sûr, est égal 3, 3 quarts. 3 quarts, donc l'image de 1 sur 2 fois la puissance 4 tiers, moins 1, moins 1. Donc, on peut laisser le résultat tel qu'il est, et on peut l'exprimer sous la forme de la racine cubique, bien sûr. Donc, je peux l'écrire, c'est 2 fois 3 sur 3, plus 1 tiers, moins 1. Donc, est égal 4 tiers, donc 2, puisque 3 sur 3, c'est 1, multiplié par 2 à la puissance 1 tiers, moins 1. Donc, est égal à 4 tiers de la racine cubique de 2 moins 1. Pour la cinquième intégrale, la même chose, mais attention, une erreur bien sûr très courante chez les élèves. Donc, pour déterminer la primitive de x multiplié par la racine quatrième de x, voilà bien sûr ce qu'ils font. Donc, il cherche une primitive de x qui est x carré sur 2. Il cherche une primitive de la racine quatrième en l'écrivant x à la puissance 1 quart et utilise cette règle. Et ils font à la fin la multiplication des deux primitives, ce qui est faux puisque cette propriété n'est pas vraie. Donc, si on a une fonction qui est la somme de deux fonctions, oui, alors on cherche bien sûr une primitive de chacune, et la somme des deux primitives est une primitive de la fonction mère, bien sûr, d'origine. Mais si f est égal à g fois h, si on cherche une primitive de g et une primitive de h, donc si on multiplie ces deux primitives, ce n'est pas une fonction primitive de la fonction f, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la même technique. On va supprimer la racine quatrième, c'est-à-dire essayer d'écrire cette expression sans l'utilisation de la racine quatrième. Donc, nous aurons donc I5 est égal à l'intégrale 0,1 x multiplié par x à la puissance 1 quart. Et essayer de, bien sûr, d'appliquer les propriétés de la puissance. Donc, nous avons 0,1, donc on conserve bien sûr la même base et ensemble les exposants. Donc, x à la puissance 1 plus 1 quart dx. Donc, finalement, nous aurons l'intégrale de x à la puissance 5 quart dx et on va appliquer la première règle. Autrement dit, t égale 1 sur 5 quart plus 1, x à la puissance 5 quart plus 1, entre les deux intervalles 0, 1. Or, nous aurons donc 5 quarts plus 1, donc c'est 9 quarts, donc c'est 4 neuvièmes. On fait sortir des crochets. X à la puissance 9 quarts entre 0 et 1. Donc, c'est égal 4 neuvièmes.
Donc voilà, on a terminé cette partie numéro 1. Donc soyez au rendez-vous pour la part numéro 2. Donc à bientôt.